Et salut tout le monde, c'est One Piece et on se retrouve pour l'épisode 95. Oui, 95 je crois, de Horror Kingdom. Ouais. En compagnie d'Elpierre Tenticelle et de Firecrox. Bonsoir. Lol. Et donc on se retrouve après avoir découvert la... C'est la les pleins grands vents. Voilà, les pleins grands vents. Et il fallait parler au bras droit de Paolo. On va parler au bras droit. Vous dites avoir l'intention de parler au prince aîné Paolo Ryan. Cependant, vous vous heurtez au confident de Paolo, juste devant sa résidence. Paolette. Allez-vous-en, du balai. Le prince aîné s'oppose. Ginette, il ne saurait donc recevoir un piètre humain comme vous. S'exclame en toute hâte le confident de Paolo. Vous précisez qu'il s'agit d'une question de la plus haute importance en espérant que le prince vous consacrera quelques minutes pour vous écouter. Qui hurle ainsi au point de perturber mon entraînement? À cet instant, une voix grave et furieuse se fait entendre derrière le rideau. Votre Altesse, le prince aîné, il s'agit d'un humain qui voudrait vous entretenir de quelque chose. Le rideau s'ouvre et un imposant sabre-lion apparaît. Vous expliquez la raison de votre venue à Paolo, et à votre grand étonnement, il se met à rire bruyamment. Ah 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 ah, vous ne savez pas ce que vous dites. Êtes-vous complètement stupide? Les humains... Quoi? Ouais, j'ai la flemme. Qu'est-ce que tu dis? Non, je l'ai provoqué en duel. Ah, les humains, quelle race faible et cupide. Brazella. De tout temps, vous avez été cause de toutes les guerres. Alors que le chevalier noir, un humain, est maintenant sur le point de détruire le monde, un autre humain prétend le sauver. Sottise. Okay. Écoutez-moi bien, je me fiche de ce qui vous... vous êtes et de pourquoi vous êtes là. Disparaissez maintenant. Que je ne vous vois plus. Ouais, que je ne vois plus cette tête idiote. Je sais pas. Paolo affiche un air sévère. On dirait qu'il. On dirait qu'on ne peut plus discuter avec lui. Ah bon. Ok, c'est une tête de bite lui. Oh. Il est pas content. Il faut parler à un Paris Hilton. Paris Hilton. Lal. Ici. Bon, je l'avais vu tout à l'heure. Gerboise, mais c'est quoi ce nom, quoi, mec? Vous présentez de manière courtoise en précisant que vous êtes un envoyé de la basilique et que vous comptez aller. Vous allier avec la tribu Grand Vent et pour affronter le Chevalier Noir. Une alliance avec la basilique, n'est-ce pas un blasphème pour vous, humains? Ouais. Malgré cela, vous venez vers nous sans vergogne, nous demander de l'aide. Paris vous considère avec dédain. Ce qu'il vous faut, c'est de la force. Paris sera un point pour faire saillir ses muscles. Ouais. Et il semble que vos mains de fillette n'en possèdent pas la moindre. Ah, 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 ah. Paris se moque de vous bruyamment, même son confident à côté de lui commence à rire. Tiens, pour une fois, il t'a pris une bonne fille dans le jeu, c'est rare. Ouais. Ouais, mais je pense que même si t'es un mec, il dit main de fillette. Je vous ai vu me dévisager. Est-ce parce que je vous impressionne ou est-ce votre infériorité qui vous accable? Vous vous serrez la main furtivement et vous expliquez votre idée d'alliance. Les humains sont tellement faibles, cupides et lents. Quel intérêt aurions-nous à nous allier? Bon, ne pensez pas que je vous taquine. Ouais, il y a une merveille visible. Je cherche seulement à vous offrir une opportunité de prouver votre vaillance. Si vous pouviez accéder à ma requête, j'envisagerais votre proposition. J'ai une idée. Il y a quelques gerboises fend la bise par ici. Quoi? Elles sont très rapides. Vous ne pourrez en attraper que si vos compétences sont suffisamment développées. Que votre regard laisse penser que la situation est urgente. Partez de ce pas, m'attraper des gerbois, fend la bise. Oui, votre foi. Qu'attendez-vous? Allez-y. Ginette. Et je crois que je vais me défoncer la voix avant la fin de cet épisode. Ah bon? Faut aller où là? S'en mâche les bonhommes, s'en mâche les mobs. N'empêche, ça fait bientôt 100 épisodes. Putain. Ouais.
la semaine prochaine. C'est bien, sans épisode, on arrête. Non, bah on va s'arrêter au milieu de nulle part. Ça ferait une belle fin, sans épisode. Ça, ça fait. Bah ouais, comme ça, tout le monde peut penser à une fin différente, voilà. Voilà, et 110. Ça laisse le suspense, voilà. Et 110 épisode aussi, ça fait une belle fin. Je mords. Ouais, c'est vrai. Ouais, et 120, ça fait une belle fin. Et 150. Ah, non, c'était une mauvaise fin, tout ça. 100, t'as pris toi. C'est un chiffre rond. C'est trop pour Pierre là. Voilà. 200, c'est un chiffre rond aussi. Ah non, parce qu'il y a un 2. Si, c'est un chiffre rond. Le 1, c'est mieux. Parce que le 2, voilà quoi, ça casse tout. Bah non, le 2 est plus rond qu'un 1. Ouais, mais le 2, c'est pas comparable au 1. Le 1 est meilleur quoi. Voilà. Ah non. What the fuck. Le 2 est plus gros. Et plus puissant. Mais non. Si. Mais non. Laisse tomber, la beauté du 1. Vous voilà, tendez à Paris une gerboise que vous avez capturée. Non, c'est Paris reste sans voix en examinant la gerboise que vous lui avez remise. Vous voyez qu'il tente tant bien que mal de contrôler sa rage nuisante. Paris était furieux. Il n'avait jamais cru que vous réussiriez son épreuve haut la main. Juste au moment où vous demandiez quelle allait être sa réaction, un guerrier sabre-lion non loin de là surgit en courant. Votre Altesse, ouais. Le second prince, je viens d'apprendre que toutes les gerboises de l'aventure sont malades. Il a sûrement dû capturer une gerboise affaiblie. Leur exploit ne devrait donc pas être pris en compte. Tout à fait. Mais oui, espèce de vil sournois, si elle n'était pas déjà affaiblie, jamais vous n'auriez pu en attraper. Tout à fait. Je propose donc une nouvelle quête pour prouver la bravoure de cet humain. Que proposez-vous? Votre Altesse, le second prince, peut-être devrions-nous soumettre Zone Peace à l'épreuve des braves. Excellent, faisons ça. Blair, je te confie ce bouffon arrogant. Paris afficha alors un sourire narquois. Je remercie votre Altesse. Je ferai venir et préparer Zone Peace. Blair fait une révérence à Paris, puis vous fait signe d'approcher. Hey Zone Pep. Eh viens là Zone Pep. Pourquoi t'approches pas Zone Pep? Faut aller où? Je sais pas. Non, je sais pas. Faut aller voir Blair. Son... Ah côté. Là-bas. Il est à côté le bonhomme. Je l'avais pas vu. Le bonhomme. Vous suivez Blair et commencez à lui poser des questions à propos de l'épreuve des braves. Écoutez bien, Zone Peace. Cette épreuve consiste à défier une bête sacrée. Il est très rare qu'un humain réussisse à vaincre la bête. La plupart des temps, elle reste docile. Mais si vous les attrapez, elles deviennent extrêmement violentes. Ouais. Revenez avec la chair d'une bête à sabots pour prouver votre réussite. S'il y a bien une chose certaine, c'est que votre vie ne vaut pas cher dans cette épreuve. Ah bon? Easy peasy. Ah bah. Faut aller récolter de la viande, trop bien. C'est trop bien. C'est où les chicas là? Ils sont un peu plus loin. Les sangs, ils sont un peu loin. J'ai trouvé de la touffu. Ah ouais, j'ai trouvé. Ils mais... sont un peu loin. Mais c'est des cerfs. Ils sont moches. Bon, ils sont un peu loin. C'est un peu loin. C'est un truc mélangé avec un grand air. On dirait un truc japonais quoi, le truc. Ouais. Genre dans Princess Mononoke, on dirait limite le cerf duo là. Ah, j'ai trouvé la plateforme pour invoquer les étoiles jaunes dans ce jeu. Faut que tu encore en avoir. Ouais. Putain, mais c'est chiant à looter. Ouais, c'était un peu long. Donc la quête là juste après, c'est ramassage. Luc, va pas trop vite. Ouais, t'inquiète pas. Non mais il essaie de faire un speedrun là. Ouais, il fait speedrun là, il s'est cru... Speedrun de l'épisode là, direct. Ouais, là, il s'est cru PG et tout. Et ouais, attends. Et là, il va être connu sur internet, il va être BG leak. Ouais. Et... il veut gagner plein de sous. Il sera obligé de nous donner des sous après. Ouais, tu m'achèteras une, tu t'en aides. Venez voir un métro, c'est pas censuré. Mate. Ding. Quoi? Quoi? Mais si on a toujours censuré nous? Non. Je connais pas la censure. Moi j'ai la flemme de censurer, c'est bon quoi. C'est ça qui va faire bonder quelqu'un quoi. Ouais. Je sais pas, demande à ton frère Pierre. Oh papa! Oh c'est petit bande! J'aime pas la gueule.
Putain, mais c'est super long à looter là. Eh oui, je t'ai dit. Ouais, je suis à 3 sur 4. Je suis à 1 sur 4 depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'en buter. C'est ballot, hein. J'ai passé level 56 avant d'avoir les 4 quoi. Ouais, moi je passe au PD là. Regarde, c'est qu'ils ont des trucs gueulés, ça. T'as combien de pensants, gamin? Je suis à 15. 15 pareil. Et ouais, mais moi il manque des quêtes, hein. C'est trop PG, mais. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? C'est trop PG, quoi. Voilà, quoi. Bon, voilà, quoi. Ok, voilà, quoi. Ça fait penser quelque chose, ça. Ok. C'est l'épisode du ok. Ok. On s'excuse encore de RIP les casques. RIP les oreilles. RIP les casques, très bon épisode. D'ailleurs, j'ai mis le ministère de la Santé déconseillé l'utilisation du casque. Mais qu'est-ce qu'il met? What the c'est fuck? C'est le ministère de la Santé qui m'a appelé là, il y a. Comment il s'appelle? Je sais même pas comment il s'appelle le ministre de la Santé. François l'handicapé, voilà. Ça change tout le temps, de toute façon. C'est France Couille qui m'a appelé, il m'a c'est dit. C'est France Couille, ah, comment? Faudrait que tu mettes un message du ministère de la Santé. Ah bon? Parce que sur l'épisode risque de briser les oreilles des gens. Ah bon? Bon, des couilles! Ouais, mais. Sur tu mettre, j'étais obligé, sinon c'est hors la loi. Ouais, ça. Mais moi je suis un fou de ma tête. Alors, allô, attention, là, ça regarde pas. D'ailleurs, Pierre, il m'a dit, toi, tu dois arrêter d'être homophobe et antisémite, anti-raciste, ouais, tout ça. Si tu veux. Ah, ben je vais pas être le seul, alors, parce que voilà, quoi, il y a d'autres personnes aussi qui sont contre ça. Bah, et après, il a appelé Marine Le Pen, il m'a dit. Ah, quand même, ça part dans un truc chelou là. Vas-y, ils sont les PD. Ouais, arrêtez d'influencer la France, voilà quoi, ça va pas le faire. Ouais. Ouais, vous voyez quoi. Vous voyez, d'après la conjoncture actuelle, ça va. Ouais. Vous voyez, pour faire du roller, il y a la centre de gravité IS et 0Y qui est nécessaire. Qu'est-ce qu'il dit? Parle de roller. Je n'ai pas compris un mot. Ouais, non, là, j'ai parti dans un délire dans ma tête. Là. Ah bon. Garde-les dans ta tête, les délires, Pierre. Ouais. Vas-y, mais encore handicapoué là! Allez, t'as le pipe, qu'est-ce que tu fous là? Attends, je suis en train de tuer les handicapoués. Oui. Oh merde, y'a mes flingues qui m'ont cassé. GG. C'était vraiment trop un PG, bah, en fait, voilà. Merci. En fait, moi je suis à combien? Je suis à 54, bon, ça va. Pas autant. Tu es à ta bite! Métro. Arrête! J'ai refuse de faire du montage! Je refuse! Eh vas-y, Pierre, on loot des essences de. Des essences de magie là et tout. Comme ouais, la dernière fois t'avais. De merde, là. T'avais pas looté. Là j'en loot plein mais avant j'en lootais pas. Ah ouais les. C'est vraiment bizarre, je crois. Je me rappelle de ça. Les érages. Comme il rageait. Mais comme il rageait. Putain mais mes armes elles vont pas tenir. Ah bon. Il reste combien? 9. Okay. Utilise que d'armes secondaires au pire. Non, j'ai pas envie. C'est plus lent. Bah, ce que je fais, c'est 40 plus rapide. Bah, ouais, mais moi, il est plus lent ton arme secondaire. Ah, ouais. Ah, les pep. Oui, tout ça avec toi, tu vas y arriver. Ah, les pep. Non, j'y arrive pas, je t'en ai. T'es presque arrivé au bout de la ligne. Vas-y. Il me reste encore 2 sur 4 à trouver. 2 sur 4, oh putain. Moi, je te laisse tomber, les pep, pour voir. Ok. T'es grand culé. Tut tut, agent Pep. Je suis en train de te doubler, agent Pep. Ouais, ça c'était un mal, c'était une méchance quoi. Sérieux quoi. Pourquoi t'as fait le chou? Mais pas c'est un moi quoi, sérieux quoi. Je montre la poisse. Lui qui aurait été là, il aurait éclaté de rire. C'est un hardcore. Lul. Vas-y, mec, achetez-toi une Wii U, alors vas-y là. Achète toi une Wii U, Luc. Hashtag nul. Hashtag achète une Wii U. T'es là. Hashtag achète avec l'argent des abonnés, voilà. Hashtag Persus. Ouais. Hashtag Zobpip Cassapip. Ah ouais, Persus, je me rappelle. T'as des pétroles. Tu comment ça, tu te rappelles, Luc? Ouais. Encore une. Encore une. Pense ça, sale moche. Alors, il reste combien de minutes d'épisode là?
Encore 5 minutes à peu près. Ok, je vais pas le faire trop long celui-là. Oui. Pas trop de temps. Voilà. Oui. Oui, moyen, ça y est, j'ai fini. Je me casse. Oui, seulement la courbe. Ouais, tu peux faire la prochaine, après ça sera. C'est juste sur un truc. J'ai gagné 0,250 XP. Trop quoi. PGM. Comment t'en fais, franchement, voilà. Je suis trop bon, hein, je cherche ça. Au moment où vous racontez à Blair que vous avez vaincu la bête, le second prince Paris et son confident font irruption. Ouais. D'après mon confident, vous avez vaincu une bête sacrée. Bah pas qu'une, hein, mon pote, hein, j'en ai battu des millions. Hein. Ouais, par quel miracle avez-vous réussi? Paris peste bruyamment. À cet instant, Blair s'avance et chuchote quelque chose à l'oreille de Paris. Très bien, très bonne idée. Non, je sais pas s'il a chuchoté. Il est malade. Non, non, mais c'est Blair, il a chuchoté dans l'oreille de Paris. Bah, ouais. Très bien, très bonne idée. Je vous laisse vous occuper de ça. Après quoi, Blair chuchote quelque chose à Paris. Ce qui le fit sourire à nouveau. Écoutez, jeune Paris. Je consens à vous laisser sous les ordres de la mère Rugillon. Rugillon. Ah ouais, Rugillon. Si vous réussissez la quête de Blair, que Blair vous a confiée, j'envisagerai sérieusement l'alliance avec la basilique, je vous le promets. Les yeux remplis d'espoir, vous approuvez immédiatement par un signe de tête. Cependant, n'oubliez pas, le champ de bataille est une chose sérieuse. Faites attention à vous, frêle créature. À ces mots, Paris vous salue de la main et s'en va en fanfaronnant avec ses confidents. Enfin, zone peace. Vous devez à tout prix sauver l'honneur des membres de la famille royale. Vous savez quoi? Le second prince est assez énervé depuis que vous avez capturé une de ses gerboises. Ah bon? Si je n'étais pas intervenu à temps, vous serez déjà banni du village. Non. Bien! Si c'est ce qu'on doit faire, alors nous le ferons. Les deux princes sont en train de se préparer pour la compétition. De cette compétition dépend leur droit à la succession du trône. On nous a ordonné de mater la rébellion avant que la compétition commence. C'est une des raisons pour laquelle j'avais besoin qu'on vous laisse entre mes mains. Blair sourit d'un air satisfait. Il ne s'est pas adressé à vous par hasard, c'est certain. Vous cherchez à en savoir plus sur l'état de l'armée rebelle. Pour faire simple, le général Akam... Le général Akam de l'armée rebelle s'est allié avec Tatiana, la fiancée du troisième prince. Les rebelles ont commencé l'attaque de la tribu Grand Vent pour rétablir l'honneur du troisième prince. A mon avis, cet Akam cherche à se rebeller depuis longtemps. C'est un rebelle. Vous devez vous engager dans la première quête de l'armée Rugillon. Vous devez vous rendre à la rivière au sud pour ramasser des herbes folles. Il est ramené sans elle. Toute cette opération ne sert à rien. Putain, je commence à avoir la voix défoncée à fin. Et bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Violent. J'ai pas dit ouais, j'ai dit. Voilà. J'ai pas dit ouais, ça. Voilà quoi. Donc, on se retrouve mercredi pour le prochain épisode de Rack.